Qu'est-ce que le projet INDECT ? INDECT est un formidable projet de recherche qui doit déboucher à l'élaboration d'outils innovants permettant d'assurer la protection des citoyens européens. La sécurité des citoyens est l'une des plus importantes priorités de l'Union européenne. Le projet INDECT vise à élaborer des solutions efficaces contre les menaces terroristes et criminelles. Notre priorité est de renforcer la vidéosurveillance, d'automatiser la reconnaissance des menaces via une analyse intelligente du comportement des citoyens. Dans cette optique, le projet INDECT vise aussi à renforcer la surveillance du web. Analyse des données, des vidéos, des photos, des textes. Comment le projet INDECT peut-il faciliter la surveillance ? Depuis plusieurs années, les pays de l'Union européenne ont développé l'implantation et l'utilisation de la vidéosurveillance, que nous nommons désormais vidéoprotection, pour éviter toute polémique. Malgré une visibilité accrue de l'espace public, la vidéosurveillance est imparfaite. Le rouage imparfait à l'efficacité de ce système est la composante humaine. Les agents de sécurité, devant leurs écrans, ne peuvent pas tout voir, ne peuvent pas tout entendre, ne prennent pas forcément les bonnes décisions. L'être humain est limité. Un être humain n'a pas la capacité d'identifier tous les individus présents dans une foule. Un être humain ne peut pas rassembler et visualiser toutes les données nécessaires. Il ne peut pas créer des corrélations efficaces avec des données issues du web. Le projet INDECT propose un système parfait en évinçant le plus possible la présence humaine dans les processus d'analyse et de surveillance. Le projet INDECT propose une surveillance intelligente, propre, sans faille, grâce à l'utilisation de programmes automatisés. Avec cette surveillance automatisée, le système pourra tout voir, tout entendre, tout analyser, avec la possibilité d'effectuer des corrélations entre les données issues de la vidéosurveillance, les données issues du web ou les données issues des fichiers de police. L'objectif principal est de repérer toute menace. Comment le système INDECT pourra-t-il identifier les menaces ? Le système INDECT usera de nombreux modules interconnectés qui peuvent réaliser de multiples fonctions. Collecter des informations, analyser des informations, communiquer les données, obéir à des requêtes. Pour comprendre cette idée de nœud, imaginez-vous une toile d'araignée géante qui filtre toutes les informations. Pour collecter des données physiques, INDECT traitera les informations issues des caméras de surveillance, des drones, des traceurs GSM, GPS, des microphones et bien d'autres capteurs. Chaque comportement sera analysé, corrélé aux autres données, sans votre consentement. INDECT, c'est d'abord une analyse intelligente des données. Reconnaissance faciale, reconnaissance des plaques d'immatriculation, reconnaissance des comportements, reconnaissance des situations de menace, visualisation des relations et interactions sociales via Internet. Le système permettra d'identifier les individus, de les tracer, de corréler différentes données, comme des fichiers de police ou des données issues de l'environnement du web. Différents paramètres permettront au système de déterminer les menaces potentielles. Par exemple, le système vous analysera si vous marchez dans la mauvaise direction, vous êtes en groupe, vous flânez à des heures nocturnes, vous restez assis trop longtemps, vous êtes sur la route, vous courez. Vous serez totalement transparent pour le système, que vous l'acceptiez ou non. Mais ne vous inquiétez pas, tout ceci a été élaboré pour veiller à votre sécurité. Quels peuvent être les débouchés futurs d'un tel système ? Nous garantissons qu'INDECT obéira aux législations en vigueur et respectera une charte éthique, assurant la vie privée de nos concitoyens. Mais les législations évoluent, les gouvernements changent, les menaces aussi. Une fois l'infrastructure du système installée, une fois que tout sera interconnecté et automatisé, que la toile d'araignée sera tissée, plus rien ne nous sera impossible. Les paramètres du système seront modifiables. Nous pourrons, par exemple, utiliser le système pour identifier des membres d'un mouvement indésirable et démanteler cette menace, enrayer les contestations en prévenant les rassemblements, en identifiant les meneurs,
surveiller des opposants politiques, les localiser en permanence. L'infrastructure du système Indect pourra à l'avenir être utilisée pour garantir une stabilité politique. Nous pourrons aussi envisager la vente de ce système à des entreprises ou à des pays étrangers afin d'aider les gouvernements à maintenir l'ordre. Le système Indect, c'est la promesse d'un monde plus sûr, plus stable, uniforme, transparent, ordonné. Le projet Indect vise à protéger la population d'elle-même, car la principale menace, c'est vous.